Bienvenue à SQTV. Intervenir sur les lieux d'une mort humaine, c'est jamais évident pour les services d'urgence. Les proches sont attristés, stressés, paniqués, et avec raison, ils ont de la difficulté à comprendre tout ce qui est en train de se passer. Et certains se posent la question, sur les lieux d'une mort naturelle qui est parfois attendue, pourquoi les policiers sont appelés à s'y rendre et à enquêter? Ça provoque à l'occasion de l'inquiétude chez les proches. Donc, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer pourquoi on intervient sur les lieux d'une mort, peu importe la nature. Il faut comprendre au départ qu'une très grande majorité des autopatrouilles de la Sûreté du Québec possèdent un défibrillateur externe automatisé, ce qu'on appelle un DEA. Donc, lorsque la personne compose le 911 après avoir découvert une personne inanimée ou inconsciente, on est automatiquement appelé à se rendre sur place pour pratiquer des manœuvres de réanimation en attendant l'arrivée des paramédics. On a aussi un autre mandat. C'est celui d'assister un coroner au besoin. Donc, lorsqu'un décès survient ailleurs que dans un centre hospitalier ou un endroit comme une maison de soins palliatifs, les policiers peuvent être appelés à enquêter en vertu de la loi sur les recherches des causes et des circonstances des décès. On va se rendre sur les lieux et on va noter nos constatations dans un rapport qui va permettre au coroner de déclencher une enquête si les circonstances le justifient. Donc, légalement, on a le droit de pénétrer dans un lieu où un décès s'est produit, peu importe la nature, pendant un délai déterminé. Compte tenu qu'on est des policiers, on va enquêter pour déterminer si la personne n'a pas été victime d'un crime ou d'une mort violente. Si ce n'est pas le cas, on va consigner toutes nos constatations dans un rapport. On va aussi rencontrer différents témoins pour déterminer ce qui s'est passé dans les heures précédant le décès, qu'il soit naturel, accidentel, de nature inconnue, volontaire, suspect ou criminel. Le rapport complet des policiers peut être ensuite transmis au coroner s'il décide d'entamer une enquête pour mettre en lumière les causes et les circonstances du décès. Il pourrait mettre des recommandations au besoin. Évidemment, si c'est un événement criminel, l'enquête policière, elle, va se poursuivre pour en rechercher l'auteur. Donc, il ne faut pas se surprendre de voir des policiers arriver et enquêter si, par exemple, un de vos proches a perdu la vie à la maison à la suite d'une longue maladie. Ça ne veut pas dire qu'on considère automatiquement le décès comme étant suspect. On veut simplement documenter l'événement pour tracer un portrait clair de la situation, ce qui va être utile au coroner s'il amorce une enquête. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer, parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.